c'est vrai que c'est pas évident, je pense, j'imagine, pour un coach, quand on a un joueur qui vient une fois, qui n'est pas forcément là à chaque fois. Donc par rapport à ça, je lui tire mon chapeau aussi, parce qu'on a, des discussions, on peut discuter l'un avec l'autre, voir où est-ce que moi je me sens le plus confortable, et en même temps ne pas casser l'équilibre de l'équipe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, je pense que je m'en rends compte. Mais voilà, on travaille bien ensemble, je crois. Qu'amenez-vous surtout de votre expérience en NBA? J'essaie d'amener un petit peu d'intensité, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas forcément connu pour être très 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 costaud, très très dur. Et pour pallier à ça, je pense qu'il nous faut justement de l'intensité dans tout ce qu'on fait, dans chaque entraînement. Et c'est cet état d'esprit que j'essaie d'amener. Aussi peut-être un peu de confiance avec votre présence, les joueurs sont plus confiants ou pas forcément? Je sais pas. Encore une fois, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, j'ai l'impression que avec ou sans moi, les joueurs sont confiants. En tout cas, je l'espère. Et c'est à eux qu'il faudrait demander. La crainte peut-être de trop se reposer sur vous? Je crois pas. Justement, Seb fait un bon job pour partager les ballons, pour que tout le monde puisse se retrouver dans le jeu collectif. Et j'essaye aussi de trouver mes coéquipiers, parce que, encore une fois, j'ai pleinement confiance en eux. Et dès que j'ai un coéquipier ouvert, je lui passe la balle et c'est tout à fait naturel. Donc j'essaie de pas du tout monopoliser le ballon. Seb me le permettrait pas. Je crois que mes coéquipiers aussi, s'ils me voient tirer la balle un peu trop, ils n'hésiteraient pas à me le dire. Donc à ce niveau-là, je crois que ça va.